Salut, donc d'habitude on me demande de faire un petit peu d'unboxing quand je reçois des choses. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, donc je vais quand même pour vous faire plaisir au moins déchausseter les trucs que j'ai reçus. Et ça tombe bien puisque dans ce colis-là, je ne sais pas exactement ce que j'ai. Alors allons-y. Ah. Alors, une petite éponge avec manifestement un petit autocollant smiley. Ça, c'est manifestement un petit cadeau. Je pense pas avoir demandé ça. Mais c'est toujours agréable et bienvenu. Évidemment, donc de la tresse à des soudés classiques. Pas grand intérêt de vous montrer ça. Alors, dans les autres chaussettes, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, je vais garder ces chaussettes de mousse là. C'est toujours utile pour faire autre chose. Hop. Alors, voyons, dans la seconde. Ah oui, excellent. C'est le réglé avec les gabarits des connecteurs. Et toutes les références de type de connecteur SMS. Ou en tout cas les plus communs. Très très bien. Alors là, ça a l'air un poil plus lourd. Est-ce que c'était... Oui, c'est ça, c'est le petit fer à souder USB. Qui va me servir en complément quand je veux bricoler, que je garderai donc dans mon manteau quand je veux bricoler à distance, faire une petite réparation d'urgence, ce genre de choses. Très bien, très bien, très bien. Hop. J'avais complètement oublié que j'avais déjà commandé ce produit-là. Et le petit dernier qui est ici. Voilà, ça c'était le long de composants. Donc quelques petits interrupteurs directement soudables sur plaquette. Des lots micro switch idem. Ça c'était lequel? Ah oui, le 556, le fameux. Le célèbre. Ça, c'est des 4011. Cela, je sais pas si on va le voir. Il y a un petit reflet. Ah, il n'est pas facile à lire celui-là, tiens. Ouais, je vais être obligé de sortir la loupe, je le vois pas là comme ça. Ça, c'est mes transistors. Mes deux diodes dont j'ai besoin pour un de mes petits projets. Qui sont notés M4, mais en réalité, c'est des équivalences 4001. Et une petite paire d'optocoupleurs 4N35. Ils existent aussi dans d'autres boîtiers que cela, mais je les ai pris blancs parce que ça change un peu. Voilà, voilà les petites merveilles du jour. Alors moi j'aime pas trop faire ça, je trouve ça un petit peu... J'aime mieux parler de projet ou de réparation, de choses comme ça, mais bon, si ça vous amuse, j'en referai. Ciao!